jusqu'à 9h, Good Morning Business. Quick revient sur le marché français avec de grosses ambitions. Objectif doublé de taille en 5 ans. On est avec Frédéric Levaché. Bonjour. Bonjour. Président exécutif de Quick. Je dis Quick revient. Quick n'avait pas complètement disparu, mais quand même. Est-ce que c'était une enseigne un petit peu en attente ? Merci de me recevoir. Bah, écoutez, Quick est depuis 40 ans en France. C'est une marque qui a 50 ans, qui est une marque européenne, qui a été créée en Belgique et qui a été présente dans le cœur des Français, dans le quotidien depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on est dans un plan de relance en 2023 avec la volonté de revenir dans un certain nombre de territoires, des villes dans lesquelles on avait disparu, au passage de créer de l'emploi puisqu'on a l'ambition de créer 800 emplois. C'est en fait comme avant, mais en mieux. Pourquoi comme avant ? Parce qu'on retrouve l'ADN de la marque autour du goût. Le goût a toujours été au cœur de ce que Quick proposait, autour des sauces et de ses produits comme le Giant. Mais aussi, on se projette dans le futur avec, vous l'avez indiqué, en effet, la volonté d'ouvrir des restaurants, de créer de l'emploi, mais également la communication. On a Eric et Ramzy qui ont accepté de signer le grand tour de Quick. Et puis aussi d'innovation. Je pourrais citer à titre d'exemple, on a une gamme de burgers gourmets qui s'appelle Les Remarquables avec le chef Norbert Tarrer. Voilà, donc tout ce que les gens ont toujours apprécié chez Quick, cette proximité, cette sympathie, mais également d'innovation, puisque c'est bien sûr important. Alors, vous arrivez en force dans un marché compliqué, d'abord parce qu'il y a de nouvelles marques de fast-food américaines qui arrivent en France, on en a parlé tout à l'heure dans le journal, comme Wendy's par exemple. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, vous avez été racheté par un fonds d'investissement il y a quelques années. Quand on est racheté par un fonds, on ne doit pas seulement baisser les coûts, on peut aussi avoir de l'argent pour se développer. Alors oui, le marché est très dynamique, il a toujours été. Ouais. Parce que lorsque Quick s'est développé, il y avait déjà de grands concurrents en France qui entraient au fur et à mesure. Tant mieux, ça permet un choix et une diversité pour les clients. Et vis-à-vis de notre investisseur, en fait, on est une nouvelle équipe, on repart sur la volonté de développer Quick. Donc c'est une petite équipe française, 60 personnes, on a des partenaires franchisés, on a nos équipes restaurants. Mais on est dans une phase où on veut se redévelopper. Donc investir, ouais. Ouvrir des restaurants, trouver des lieux, engager. Et le but, c'est en effet de faire en sorte que l'enseigne retrouve sa présence et puisse également apporter sa propre existence vis-à-vis de la concurrence. Et on a un rôle à jouer, puisqu'aujourd'hui, ce que les gens connaissent, à la fois ceux qui ont grandi avec l'enseigne, puis ceux qui vont la redécouvrir, c'est le fait qu'on apporte une approche unique autour du goût des produits. Mais justement, vous voulez convaincre les jeunes, un nouveau public qui ne vous connaissait pas, et pourtant, vous utilisez Eric et Ramzy, qui étaient déjà là il y a 25 ans, c'est les mêmes burgers. Est-ce qu'il n'y a pas une nouveauté en plus à apporter ? Parce que là, vous parlez en fait au petit cœur qui bat de ceux qui ont mon âge, mais les jeunes, ils ne connaissent pas tout ça. Alors, moins, c'est vrai, puisque la marque a été moins présente. Mais je pense que beaucoup d'entre nous ont grandi. Et aujourd'hui, alors oui, on s'appuie sur les racines, l'ADN, un côté un peu vintage de la marque qui est née en 80 en France. Et ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup parce qu'on le voit très bien sur les réseaux sociaux, on le voit dans la communication. Et le fait d'avoir avec Ramzy, vous avez raison, on a collaboré ensemble il y a un certain nombre de temps. Mais quand on leur a parlé de l'idée de travailler avec Quick, ils étaient ravis puisque c'est des grands fans de la marque. D'ailleurs, Eric a écrit lui-même le script, a fait la publicité. Et on pense que le fait de s'appuyer sur ce qu'on représente, mais en essayant de donner avec également un ton moderne. C'est pour ça qu'on est très présent sur les réseaux sociaux. Mmh. On se projette dans le digital avec ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui l'omnicanal, c'est-à-dire la possibilité de donner aux clients le fait d'accéder aux produits de différentes façons, comme par la livraison. Et donc, on a la chance d'avoir ces deux jambes sur lesquelles on peut marcher, à la fois notre historique, mais également un ton plus moderne. Est-ce que vous pensez que la relative bonne santé de Quick sur le marché français a aussi lié au fait que vous avez beaucoup de vos franchisés, plus de 90% maintenant, proposent de la viande halal? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez généraliser? Est-ce que c'est aussi une singularité de... Vous n'êtes pas les seuls, hein, KFC le fait aussi sans vraiment le dire ou peut-être l'assumer. C'est quoi votre stratégie sur ce terrain-là dans les mois qui viennent? Alors, c'est pas nouveau, ça fait une quinzaine d'années que Quick offre ce type de protéines. Tout simplement, ça donne l'accès au plus grand nombre. Et ça participe en effet de l'ouverture de Quick et du fait de proposer à chacun de pouvoir venir dans notre enseigne. Mais est-ce que tous les restaurants Quick sont désormais halal ? La grande majeure partie, oui. La grande majeure partie ou tous ? Oui, quasiment tous, il en reste quelques-uns qui sont en train de proposer ça. Et notre démarche, c'est d'être ouvert à chacun. C'est aussi pour ça que l'an dernier, par exemple, on a proposé les burgers veggie. Alors, ce qui est une anecdote, Quick en 2001... avait déjà proposé un burger veggie. Alors à l'époque, c'était pour une innovation un peu de rupture. Mais l'an dernier, on a proposé notre Suprême, qui est dans la gamme. Et on a également en permanence certains produits veggie qui permettent également de donner l'accès au plus grand nombre.
Bon, vous misez beaucoup sur les réseaux sociaux, mais vous n'avez que 2000 abonnés sur Twitter, sur le compte Quick France. Il va falloir absolument accélérer, là. Eh bien, je compte sur vous pour cela. On vient de se lancer sur TikTok. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a Facebook, on y est depuis de façon un certain temps. On est Instagram. Et c'est vrai qu'on se lance sur d'autres réseaux sociaux. Donc, l'entrée sur TikTok récemment. Et puis, il faut apprendre aussi à adapter le discours à chacun de ces médias. Mais c'est là où on compte également sur les jeunes qui vont redécouvrir Quick pour faire du buzz sur les réseaux sociaux, puisqu'on sait que ça... Mais il n'y aura pas le Quick and Toast. Il est toujours là. Ah. Il n'a jamais disparu. Le Giant, le Quick and Toast, le Long et le Suprême, donc quatre produits historiques n'ont jamais disparu. Et je vous disais tout à l'heure, on a introduit aussi le Remarquable, qui est un burger premier gourmet, avec le chef Norbert Harrer. Donc ça, c'est une gamme un peu complémentaire, quand je vous parle d'innovation et de fait d'aller vers le futur. En tout cas, ces investissements dans nos nouveaux magasins, vous en avez 117 aujourd'hui, pour 50 millions de clients, 4500 collaborateurs. Oui. Ça va entraîner 800 créations d'emplois pour 2023. C'est l'ambition. Nous, on a notre métier, on est là pour créer des emplois, recruter des jeunes, les former. Ensuite, on entend les garder, les développer. Parce que c'est déjà un secteur en tension quand même. Mmh. Bien sûr, l'ensemble de la restauration aujourd'hui est à la recherche. J'en profite pour lancer un appel. On a tous besoin aujourd'hui de collaborateurs. Beaucoup d'appels, les réseaux. Oui, exactement. Parce que on est une marque du quotidien en fait. On participe au quotidien des Français. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'emploi est au cœur de notre métier. C'est un métier, vous l'avez indiqué, sous tension. Et il y a quelque chose qu'on oublie parfois. On recherche des CDI. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on préfère, au-delà de prendre des jeunes et de les former pour la plupart, c'est les développer et les garder. Quand aujourd'hui, on peut être directeur d'un restaurant Quick, c'est 40-50 personnes à manager en ayant commencé comme équipier. Merci Frédéric Levaché, président exécutif de Quick. Il faut dire Quick hein, en belge. Hein. Oui, c'est parce que ça, on peut dire. C'était tout à fait comme ça qu'il fallait le dire. Merci beaucoup. Quick.